Eh bien, salut tout le monde, c'est XVSK, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 8 du walkthrough de Uncharted 3! Ah bah, moi je remarque qu'apparemment les ennemis sont déjà morts. Ah! C'est quoi ça? Attendez, j'ai pas rêvé là! Il y a une grenade qui m'a foncé à la gueule. C'est pas possible. Ah d'accord. T'es spoté, connard. T'es là-bas, en bas. Bon. Bon, bah ça va être galère, parce que donc, pour m'accueillir chaleureusement, apparemment, ce monsieur a décidé de me lancer une grenade. Ça, c'est ce que j'appelle un accueil très chaleureux, mes amis, n'est-ce pas? Bon, on va se mettre en visée sur le côté. Je t'ai spotted. Oh là là, galère, là. Elle vient de battre. Viens te battre, mon chou. Bam. Tiens, je t'ai écrasé. Bon, alors, où est-ce que je dois aller? Attendez, parce que j'ai peur qu'il y ait un shotgunman dans le coin. Un peu vilain s'il y en avait un. Attendez. Ah ben. Ah ben j'en ai vu deux là-bas. On va voir par où il va passer l'autre. Ah. Non, j'ai cru voir quelqu'un ici, mais. Non, non. Oh, tiens! Merci. Tu prends ton arme. Oula. Ah bah pas un shotgunman le voilà je crois. Bon pas grave, plus de munitions. Ah mon dieu que c'est bon. Ah bah non j'ai rien dit. Allez. D'ailleurs il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas la fonction sprint hein, sur le multi, sur le solo hein. Attendez, j'ai rêvé. T'as vu un bout de shotgun? Non? Si? Il est où? Il est où le sagouin? Aïe! Tiens! J'adore son coup de pied, sérieux. Par contre, c'est quand même dommage qu'il y ait quelques bugs de collision à ce niveau-là. Allez! Bon, je crois qu'on est bon là. On peut y aller. On va aller là-bas. Oh mon petit salopio. Je suis pris au piège. Ah, marrant. Victoire. Ah, victoire. Bon, on va voir combien si je vais pouvoir tenir longtemps sur le jeu. Parce que je sais qu'ici, ça va être galère pour survivre. Regardez là. Mon petit salaud. Que... Ah ouais, oulala! Oulala! Lui m'a déjà spotted. Oula! Attendez. Bordel, ça devient ridicule. Bon, ma sagouine lui a pété la tronche. Allez, attendez. Je sais qu'il y en a plein qui vont arriver de partout ici. Je le sais! Montrez-vous! Ben, vous avez pas envie de vous montrer? Non? Si? Attendez. Ah ben les voilà. Allez, on se barre. Je vais me cacher dans un coin. Et attendre qu'ils viennent tous me dire bonjour. Oh l'enfoiré. Reviens Coco! Je suis amour! Allez, lance une grenade s'il faut. Ah, j'en ai bien passé. Ah d'accord. Tiens-toi cadeau. Bon. On va avancer pour voir où ils sont. La 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 la. On avance doucement. Tenez bien. Ah c'est bien. J'avance pour voir où ils sont et je tombe sur quoi? Sur un monsieur avec un petit fusil à pompe. Et je commence à tomber à court de munitions, c'est cool ça. Allez, prends le sas! Ah, merde, la shotgunman! Vite, 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 on se planque!
Allez, viens ici, mon gros. Tiens, boum. Ouais, on dirait que je l'ai eu. On dirait que je l'ai eu, ouais. Je l'ai eu, c'est bien, ça. Bon. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait, mec? Pourquoi me détestes-tu, mec? Là, j'ai tué le mec avec le fusil. Oula, sniper. Bon, excusez-moi, je suis un peu focus là. Bon, s'il n'y a plus qu'un mec avec un sniper, ça devrait pouvoir le faire. Oula. Attendez, il est où? Ah, il est là. Bon, bah ça va. Je vais y arriver, hop. Ouais, t'en as marre de ces conneries? Bah, moi aussi, bordel. Ah, j'ai pas le temps d'arriver qu'il y en a déjà un qui me tire dessus, quoi. Ça doit être là, non? Ah bah oui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bon, je crois que ce coup-ci, il est mort, hein. Je prends le pistolet Rafika. Ouais, ce coup-ci, il est mort. Voilà, maintenant c'est bon. Mais, hein? Ah ouf, j'ai cru que j'étais pas mort, désolé. On va prendre la petite M9 parce que ça va bien être galère ce qui va arriver. Oh, il a un RPG. Mais non, on va garder la M9. Parce que ce qui va nous attendre plus tard, on va être un peu chaud boulette. Allez, passe dans le petit trou net, dans le petit trou net, dans le petit trou net. Alors, est-ce que c'est bien le passage que je pense? Par contre, je vais peut-être galérer parce que j'ai pas pris de grenade avec moi. Attendez, je regarde au loin. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok. J'espère que c'est le dernier. Attendez. Voyons voir si je peux prendre de l'avance. Oh punaise! Oh merde! D'où est-ce que ça fait ça? Man. Mais t'en laisse planquer quelque part. Oh allez, mais regardez combien ils sont là. J'ai pas signé pour Galerland, moi. Ah! Encore que je suis à bonne distance là. Oula. Non. Ah ouais. Voilà. Avec ça, ça va être parfait. Allez, heure. Attendez, il est où l'autre? Ça m'énerve.
Bon, peut-être une arme super lente. Ah, attendez. Dès qu'il y a un gros qui me tire dessus. Ah, oh, vite! Planque-toi! Planque-toi! Bon, et l'autre là, elle commence à m'énerver lui. Allez, monte ta tête! Toi, je t'ai spotted. Bon. Maintenant, faut juste un lance-patate. Kaboum! Oh ouais. Oula! On va se planquer. On va se planquer comme un gros lâche. Parce que ce jeu est un jeu de gros lâche. Non, je rigole. Hein. C'est pas un jeu de gros lâche, mais bon. On va dire que si vous faites pas attention, vous allez vite mourir comme un idiot. Comme moi, en fait. Hein. il a peur d'y avoir des ennemis là-bas. On va avancer. Oh, un RPG. Ah, une échelle. Enfin. Oh, on dirait bien que c'est le passage que je pense. Ah, ici on va se... Oula. Oh non. Aïe. Eh, mon RPG il est où? Là. Trop nombreux. C'est bon. C'est bon. Je pourrais pas. C'était quoi? Américain? Ouais. Je suis américain. Non, non, non. Non. Tu es pas. Non, tu es pas. Atala, Atou! Chilou! Yalla, ta'alo! Donc voilà, maintenant on est à dos de Chocobo, comme vous pouvez le constater. Notre ami ici, donc, conduit le cheval comme un dieu. Et finalement, on s'est fait dégommer comme un dieu aussi. Allez. C'est moi qui prends le relais sur le cheval, yahoo! La 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 sur mon cheval, tra la 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 la. Ouais, pauvre gosse. Vite! Vas-y, net! Bon, il faudra un lance-roquette là, je crois. Bon. Ah! Et voilà! On s'est enfin barré! Oh mon dieu! Ah, je suis heureux là! Allez, cinématique, je vous laisse! Tu es bien loin de chez toi. Shokran. Vous n'êtes pas les bienvenus. Aucun de vous. Tu m'as sauvé. Pourquoi pas m'avoir tué comme les autres? Ça aurait été impoli. T'avais besoin d'aide. Même un ennemi mérite le gîte et le couvert. Es-tu mon ennemi, l'Américain? Drake. Mon nom est... Drake. Salim, shérif de cette tribu. Eh bien, sans vouloir te brusquer, Salim, je voudrais un cheval. Et j'ai rien à te donner en échange. Tu comptes attaquer la caravane anglaise seule? Tu les connais? Mes éclaireurs les ont suivis pendant 2 jours.
Pourquoi tu es là? Que font les Anglais au Rubalcali? Ils cherchent la cité perdue d'Ubar. La cité des piliers. Ils ont mon ami en otage. Il est le seul à savoir. Une fois à Hiram, ils s'en débarrasseront. Facile. S'ils trouvent Hiram, on est tous morts. Il y a maintenant 3000 ans, le roi Salomon a invoqué la puissance des djinns. Des démons, nés d'un feu sans fumée, indociles. Il les a enfermés dans un vaisseau de cuivre qu'il a jeté au fond de la cité. Depuis, Hiram est maudite, hantée par les esprits tourmentés des djinns. Les Anglais ne doivent pas atteindre la cité. S'ils libèrent le pouvoir des djinns... On n'a pas beaucoup de temps, hein. Non. Mais ils sont nombreux, on ne peut pas les attaquer de front. Ce soir, repos. Demain, ils arrivent au canyon. À nous de jouer. Départ à l'aube. Vers le convoi, viens avec moi. Magnifique vue, n'est-ce pas? Ah, ce jeu m'épatera toujours, sérieusement. Même après l'avoir fini une fois, revoir ce moment, ça me met une petite larme à l'œil, sérieusement. Y'a pas à dire, Naughty Dog, c'est des bêtes. Et j'attends avec impatience Uncharted 3, là. Attention, c'est 3! Attention, c'est 3! Comme le vous savez quoi. Allez, on est presque. Le convoi devrait être devant. Allez. Regarde comme il se manie bien en plus le cheval, hein. Allez, on y est presque. Fais gaffe. Voilà. J'espère que rien. Oulala, regardez-moi cette belle vue là. Économise tes balles, ils sont trop loin, hors de portée. Ça va, j'ai compris que t'étais dehors de portée, hein, de toute façon. Allez. C'est un raccourci, reste avec moi. Mais oui, t'inquiète, je reste avec toi mon coco. Par contre, le cheval ne peut pas tomber dans le vide, ça c'est dommage. Ça aurait pu être marrant. Ah, allez. Vite, on y est presque. Allez. Mais ça va, hein, je te suis, coco. Oh. Oh là là, sérieux, je vous jure. Ces hommes à cheval. Oh là là. Allez, on y est. Drake, grimpe sur les camions. Descends-moi ces mecs. Je suis de gauche. Ah, il l'a descendu apparemment. Bon, alors maintenant ici ça va être un peu chaud-boulette. Il va falloir que je chope le mec à moto là. S'il veut bien se laisser choper, bien sûr. Voilà, boum. Bon, regardons si on n'a pas un autre. Non, ça va, il a géré. Cheval! Eh hey, mon cheval, viens ici. Ouais, beau gosse. Ah bah il y avait encore un mec à moto en plus. Boum. Mon ami est probablement à l'avant. Pouk. Bon. Pas de mec à moto. Non, c'est bon. Ah, j'ai rien dit, il y a un mec à moto. Bon, on retourne sur cheval. Cheval! C'est mon copain, cheval. Allez, on va se dépêcher. Oulala. Attendez, oh, je vais me le faire. Oups, je vais mourir. Je vais mourir, et voilà. Bon, ben finalement, l'approche... Bon, en plus on doit tout recommencer là.
Ah là là, galère ce passage. Bon, attendez, il y en avait un troisième normalement. Il y en a un troisième. Il y en a un troisième, je suis sûr. Bon. Cheval, tu viens, cheval? Ouais. Mon ami est probablement à l'avant. Ah, galère pour viser. Allez, tombe. Merci. Prends les munitions. Pas de mec à moto. On retourne sur cheval. Ah si, y a un mec à moto sur le côté. Voilà, j'ai l'air assez protégé donc. remonte à cheval. On va prendre le Rafika. Cheval! Ouais, je vais la faire souvent le coup du cheval. Ah, toi je t'ai spoté, connard! Allez, viens là. Allez, viens ici, mon gros. On prend le Rafika. Ah, voilà un mec en voiture. Enfin, en moto, pardon. On va tuer le Rafika. Ah, bah, il est mort. J'ai pas compris comment, mais il est mort. Cheval! Eh, cheval, viens ici. Yeah, beau gosse style. Qu'à se faire celui devant. Ah mince, il a un bazooka. Tue-le avec le lance-roquette. Loupé. Loupé. Ah, je vise comme un chien. Eh hey, oh, 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 faut pas abuser là, eh hey, oh. Mais, eh hey, mais c'est quoi ça? Faut prendre l'effet de Coriolis ou quoi là? Oh mais non quoi. Bon, j'espère qu'il va pas péter tout de suite le camion parce que sinon je l'aurais l'air bien con. Oh. Oh mais allez. Ah non mais là ça commence à me pomper là. Ah quand même, j'en ai eu un. Et... Ah. Enfin. Ah voilà. Pouf. Ouais, pas loin, et toi tu nous mets déjà dans les embarras là. Vite, dans le canyon. Ah. Bon bah lui. Tragique. Allez, donne-moi la main. Bon ben voilà. Est-ce que je le contrôle là? Ah non, là je le contrôle absolument pas. Ah, bah des copains, enfin. Mon cheval est là. Là, saute sur le cheval, dépêche-toi. Ah, allez. Je
Cheval, mon petit cheval. La 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 la. Bon, on va accélérer. Oh, mais c'est tout seul, je vais me le faire tout seul. Allez, oust. Oula, on m'en veut là. On m'en veut même beaucoup. Bon. Je vais retourner sur le copain cheval. Hop. On va rester bien derrière le camion, comme ça on prendra pas trop de dégâts. J'ai rien dit. Même si je n'ai un camion là, il va me spotter cet enfoiré. Oh, mais allez, t'abuses là. Hey, oh, 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 oh. Je suis en mode normal ou en mode extrême là? Ouais, vous allez me dire, le mode extrême est sûrement beaucoup plus dur que le mode normal, même. Voilà. Cheval. Oula, j'ai failli me prendre un mur, là. On est presque devant. Allez, on est presque devant. Sully, man. Sully. Sully, t'es là? Sully, copain, t'es où? Ouais, bah, viens m'aider. Ah, voilà. Je tiens mieux. Je peux plus tenir. Allez, prends ma main, je te tiens. Oh non, c'est encore le gros. T'as vu? J'ai abusé du petit Suisse quand j'étais petit. Tiens, tiens, mon cochon. Oh non, ne m'étrangle pas. Je suis innocent dans l'histoire. Ah. Tiens. Voilà. Ciao, gros. Nickel, mais... Merde, j'étais sûr qu'ils t'avaient tué. Ouais, ils ont tenté, hein. Mais comment t'as fait pour me trouver dans ce coin perdu? On m'a aidé. Salim. Sullivan, merci. Le temps est compté. Faut pas les laisser atteindre la ville. C'est vrai, Nate. Je viens de passer plusieurs jours avec ces ordures. Et je sais pas ce que cherche Marlowe exactement. Mais il s'agit pas d'un trésor, il faut les arrêter. Drake, faut y aller, vite. Viens là. On s'ennuie pas, hein, Sully? Jamais de la vie! Viens! Que nous. Ah, bienvenue dans le passage de la galère. Mais quand je dis que c'est le passage de la galère, c'est vraiment le passage de la galère. C'est le convoi. Reste derrière.
Je vais aller voir. Tu l'as eu. Tu l'as eu. Mais j'ai eu personne, moi. Comment trouver qui que ce soit dans cette tempête? Voilà. On va prendre le Gemal. Ah, ça va être galère ici, je vous le dis. Quand je vous dis galère, c'est vraiment la grosse galère. Hein. C'est pas genre, oh, ça va aller facile, 5-6 secondes. C'est quoi qu'il y a devant moi? Bon. À ce passage-là, normalement, il va y avoir un enfoiré qui va venir. La question, c'est par où est-ce qu'il va passer? Faut vraiment que je le sache, parce que sinon, je vais me faire tuer comme un... Ah bah le blanc. Casse-toi, Sully! Voilà, je l'ai eu. Bon, j'ai eu le mec le plus important du level, donc... Je devrais pouvoir le faire, maintenant. On va prendre ça. Voilà. Tout de suite qu'on a ce gros gun, là. Ça devient plus simple, même si l'enfoiré là-bas faille me tuer. Bon. En mode vision inversée. Que je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Ah, dès que j'ai eu ce coup-ci. On va faire confiance à Sully pour la viser. Ah, ouais, il voit quelqu'un là-bas. Bon, apparemment, je l'ai eu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le plein de mun. On va prendre toutes les grenades. Encore grenade. J'ai vu un mec avec un lance-roquette là. J'ai vu un lance-roquette par terre. J'ai pas rêvé. Oh, regardez le bug de l'ombre. Quand même pas mal hein, là. Bon, préparons-nous à galérer, les enfants. Ils ont dû être séparés par la tempête. Allez! Guerre de visage de merde, sérieux. Je vais croire qu'elle limite one shot, mais là, c'est un peu galère pour viser. Allez hop, on se met à couvert. Est-ce que je l'ai eu? Bon, je l'ai eu. Ouais, je crois que je l'ai eu. Mais bon, je commence à tomber à court de munitions. Il est où le mec qui me tire sur mon pote là? Allez, on va aller chercher une autre arme. Faire d'être plus mobile. Parce que avec celle-là, je vais me faire avoir comme un bleu. Mais bon, je me fais déjà avoir comme un bleu donc. J'ai vu un sniper là-bas. Mais putain, tu m'énerves là! LOL! Le bug! Ah, pas mal le bug, sérieux! Oh putain! Voilà, ce roquette et il mute ses camions. T'es un petit comique, toi. Sacré Sully, va. Ah, bah super, il y a en plus un sniper droit devant moi. Bon. Au sol! Oh, galère. Bon.
Il est où lance-grenade man là? En 12 j'en suis une grenade pour être sûr qu'il soit mort. Ah, c'est par là. Oh! J'avais pas vu lui. Attendez, mais il est où l'enfoiré là qui me tire dessus là? Là-bas? Aïe! Oufti. Ça va péter. On dégage, on dégage. Fou. Là, j'avoue que ça devient chaud, hein. Voilà. Bon. J'ai quand même une question là. Ok. Je rêve où il y a un véhicule là-bas. C'est pas possible. Bon. Allez. Oh punaise. Ouf 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 ouf. J'ai eu ? Non, j'ai pas eu. Regardez-moi ça, je vois rien. Bon, ça va, j'en ai eu deux. Non, mais... C'est... Je rêve pas, c'est encore un véhicule, ça. Bon. Maintenant, je vois deux visées laser. D'accord, je ne l'ai même pas eu. C'est la fête au village. Ah, bon. Parce que moi, je pouvais savoir où est-ce qu'il est, le mec. Voilà. Bon. Oh, déjà, je l'ai eu ce coup-ci. Super, j'ai plus de munitions. Ah bah moi j'aurais moins galéré qu'en streaming live. Oulalalalalala. Oulalala. J'ai rien dit. Sully, t'es où copain? Spotted. Et malgré que j'ai spotted, j'ai pas réussi à le buter. Bon, c'est pas grave, on va se rapprocher alors. Allez, t'es où, connard? Et viens tâter du XVSK. Salut! Tiens! Ah, enfin! Ouais, moi aussi je l'espère. Parce que punaise! Oh, un sniper! Oh! Si
De grandes portes. Ah ben on approche de la fin les cocos alors. Allez, rentrons. Ah. Oh. Que vois-je? C'est marrant, celui-là, je l'avais loupé en streaming live. Waouh. Regarde cet endroit. Ah, elles sont belles les poportes. Hein. C'est incroyable. C'est un monde plein de poportes. C'est immense. Mais oui, c'est toujours immense de toute façon. Oh hey. Lalalala. Ton carnet auprès de Marlowe. Je pensais que ça pourrait servir. T'as ça dans le sang. C'est lui là-haut. J'ai trouvé un truc. Ouais, c'est coincé. Nate, regarde de l'autre côté. J'ai vu, papy. J'aimerais bien que tu utilises le truc pour moi. Allez, ça monte, ça monte, ça monte. Attends là. Ouais, attends là. Hop, on jump. Oh, jump! Waouh! La belle chute. Bon, obligé, faut savoir grimper là. En plus, je commence à voir la dalle. La 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 la. Là, si vous vous souvenez, dans les anciens Uncharted, quand ils faisaient de. Ça, en fait, quand ils étaient sur une poulie en l'air, en fait, fallait savoir gérer l'équilibre. Là, il n'y a même plus besoin. C'est un peu dommage ça quand même. Hein. Parce que Drake pouvait tomber! Avant. Et voilà. Allez, allez. Ça marche. Comme dirait Victor Sullivan, j'en crois pas mes yeux. Donc voilà, on est à Ubar, la cité des mille richesses. Comme vous pouvez le constater, bizarrement, il y a toujours une cité dans l'Uncharted. Enfin, je sais pas pour le 1, j'ai pas fait le 1, mais le 2, il y avait une cité. Dans le 3, il y a une cité, et dans le 4, bah, il y aura un McDo. Ça serait pas mal, ça. Uncharted 4. Call of McDonald. Oh ouais, ça c'est du titre qui rocks. C'était vrai, c'est bien là. Victor Sullivan, bienvenue à Ubar. Victor Sullivan, bienvenue à Ubar. Oh regardez ça. Je me la joue disco là. On dirait qu'il cherche après ça une queue qu'il a pas là. Allez, on va y aller. Et maintenant je vous jure, c'est ici que je vais vraiment commencer à galérer. Voilà comment la cité a pu prospérer. Elle doit être alimentée par une source souterraine. Elle est pure. C'est fou qu'elle coule encore après tout ce temps. Ça, c'est quelque chose. Quoi ? Non. Non. Pitié. Sully. Thank you.
Bienvenue dans le passage de la galère. Ok, c'est parti. Oula. C'était quoi ça? Ouais, comme tu dis, c'était quoi? Ça va être galère ce passage, ça je vous le dis. Donc voilà, je vous présente les nouveaux monstres de Uncharted. Bon, attendez, c'est pas possible. Il n'y en a pas qu'un, ça je suis sûr. Ah, j'entends un bruit. J'ai pas envie d'avancer, j'ai trop peur. Ah, mais il y a un bazooka là. Non mais, je vais le prendre, je vais me replanquer. Ça, c'est la meilleure arme pour les dégommer. Ah, apparemment, Lance Gradman est dans le coin. Ah ouais. Bon, on a fini? Apparemment non, on n'a pas fini. Bon. Qu'est-ce que je fais? Ah, et j'en vois un là-bas. Oh non! Et vas-y mon gros, que je recommence tout. Oula, d'où il est? Quoique non, peut-être je recommence peut-être pas depuis le début finalement. Allez, comment je change la vue là? Oula! Bon? Non? Bon, de toute façon faut bouger. Ah! Ça c'est une arme de choix. Il est où? Qu'il est? Je m'en fous, je ne bougerai pas de ma position. Ah, c'est ce que je viens de faire là. Bon. Où est-ce que tu te caches, ordure? Ah, te v'là. Ah. Ah, c'est fini. Cool! On va pouvoir avancer. Calmo, reviens ici, espèce de connard! Ouh là là, que de gros mots. Merde! T'es mort! Tu m'entends, t'es mort! Tu mords! Reviens là, espèce de... Ah. Ah, c'est Drake qui délire encore. C'est impossible. Où est-ce que je suis? C'est Carthagène. Je suis venu ici quand j'étais petit. Eh ouais, t'étais venu ici quand t'étais petit. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non! Oh non.
J'y comprends rien. Vas-y, cours, Drake. Jette-leur du saucisson. Ah! Attends, j'avais plus. J'étais plus au courant. Oh, vas-y, Drake. Oh, non! Non, non. Non. Oh non. Oh non, c'est quoi ça? Ça y est. Drake est encore en train de délirer. Ouh là là, c'est un beau délire en tout cas. Bon. C'est pas tout ça, mais... Moi je sais ce qui va arriver à l'avance, donc j'aimerais bien trouver un lance-grenade. Tout. Tout bouge. Il faut que je sorte. Je dois sortir de là. Non. Non. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça fait mal aux yeux. Hein. Ah là. Oh bah lui il est mort en buvant. C'est pas mal ça. Il a bu pour oublier, mais le problème c'est qu'il a oublié d'arrêter. Ah, 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 je vois le lance-patate là. Oh ouais, j'en ai besoin. Même un grave besoin. Elto Sniper, ce serait pas mal. Pas d'issue. Oh non. Oh non. Là c'est refermé. Je vais mourir. Je vais les tuer! Je vais les tuer! Ouais, gars! Super, je me gourde déjà sur mes tirs. Vous avez tué Sully! Elle vous pute les fous! Bon, j'avoue, j'ai mal géré sur ce coup-là. Bon. Moi. Vous avez vu Sully ? Je vais vous buter pour venger Sully ! Ah, je crois que c'est bon. Bon. Ça va être galérus là. C'est pas réel. Oula. Ce qui est chiant avec eux, c'est qu'il faut prédire leurs mouvements, franchement. Quand ils se déplacent, c'est assez horrible. Hein. Ils se téléportent, ils arrivent dans votre dos, et après, bah, tu l'as un peu dans le fion-fion, on va dire. Ah, ben, un lance-patate, ça fait... Non, un lance-grenade. Ah, un lance-roquette ! Ça fait toujours plaisir. Bon, j'ai un magnum avec plus de 12 balles. Si avec ça, j'arrive pas à faire ce passage, les doigts dans le nez, il y a un problème, sérieusement. Tu es scellé. Non, non, c'est pareil. Je dois sortir. Je dois sortir. Oh là là. Ça qui m'énerve avec ces enfoirés, c'est qu'ils ont tous des lance-roquettes. Regardez ça. Ils ont tous des lance-roquettes. Comment est-ce que je peux me défendre face à ça? Il est où? Ah! Plus qu'un.
Ok. Ah, j'ai géré la fougère. Garde ton sang-froid. Ah, j'ai géré la fougère sur ce coup-là. Oh mon dieu, j'ai même fait mieux que sur les selles. Je suis divin. Non, je rigole. C'est juste que là, je suis en plein délire tellement ce jeu m'exaspère par moment. Encore un lance-patate. Ah, Sully, copain. Sully. On se retrouve enfin, bébé. Sully. Ah. Non. Et voilà. De la belle eau bien fraîche. Ah, pourquoi je vois mon ombre là-bas? Hop. Ah d'accord, ça prédit les mouvements que je dois faire en fait. Ah bah tu sais quoi, les mouvements que je dois faire, je sais où est-ce qu'on doit les faire, alors hop. Ah ouais, il n'y arrive pas parce que son ombre n'est pas là. Voilà. Hein, c'est quoi ça? C'est quoi? Il a bien déliré, hein. Ça, c'était un délirant en or, hein. Alors. Oula. Bonjour, monsieur. On va dans des escaliers. Hop, on descend. Et on est dans la merde. On va s'amuser, connard. J'adore comment il parle, sérieusement. On va s'amuser, connard. Vraiment pour dire, je vais vous trucider la gueule. Ouais, bon, on va s'amuser. Bah, faudra déjà qu'il y ait des gens qui viennent pour ça. Et j'ose pas trop avancer parce que je sais ce qui m'attend. Ah, d'accord, en fait, faut obligatoirement sauter, sinon ça fait rien du tout. C'est fini, Drake. Disait. Putain, encore un. Oh, super. Hop. Ah, Shotgunman là-bas. Ouais, vas-y, lance-moi une greu. Je te la renvoie hélico presto. Chut. Bon, on va focus sur Shotgunman parce que je sais qu'il va arriver par là. Ah, bah y'en a un là-bas. Ne meurs pas, Drake. Ne meurs pas. Tu as toute la vie devant toi. Alors reste zen, mon gros. Pour toi. Epic fail. Oh merde. Bon, je crois qu'on va essayer d'avancer. On va prendre le SAS 12. Bon. Eh merde! Désolé sur ce coup-là, j'ai pas roxé. Bon, on va attendre que Shotgunman passe. Voilà. Allez, Shotgunman, viens. Je t'attends, mon gros. Hop, encore une re. Bordel.
Bon, il doit être là bientôt. Voilà, voilà. Je savais qu'il viendrait. Lui et moi, on a des comptes à régler depuis Uncharted. Voilà. Bon, on va prendre le Gimal. Oulala. Là là. J'ai bien failli y passer, hein, juste pour un mec. Hein. Oula. Mais il m'en veut ce mec là-haut. Bon. On va avancer. On va prier qu'aucun garde ne m'en veuille ce coup-ci. Vite, saute! C'est qui l'enfoiré qui m'en veut en bas? Pourchassez-le! Tiens, grenade. Tiens, encore une grenade! Bon, bah, apparemment. Ah, cool, je le vois ici. Bon. Je crois qu'on doit être bon là. On va prendre le sniper. Ouais, nos scopes. Nos scopes. Non, je rigole. Bon, je crois qu'on est bon. Par contre, il vaudrait mieux. De quoi il se cache? Qui c'est qui se cache? Ah d'accord. Oula, ça c'était du bol hein. Ah mais t'étais là mon gros. Allez. D'accord, tu veux jouer à ça? Bah, allez vol. Allez, on va essayer d'avancer. Oula, c'est pas du quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, pas comprendre! C'est toi, Nate? Dieu merci. Tu vas bien? Si tu savais ce que je... C'est quoi le problème? Qui me dit que t'es réel? Et ça, c'est assez réel. Pointe jamais de flingue sur moi. Je les ai vus descendre. Juste après l'éclipse. Quoi? Quelle éclipse? Eh hey, petit, t'as pété les plombs après avoir bu à cette fontaine. Ça vient de l'eau. Voilà ce qui a détruit la ville. C'est pas la colère de Dieu. Toute la réserve d'eau est polluée par une espèce d'agent hallucinogène. Ça a dû tous les rendre fous. C'est sûrement ça que veulent Marlowe et Talbot. Ouais, t'as raison. Cutter a dit, ils contrôlent leurs ennemis par la peur. Ouais, ça doit être ça. En théorie. Sauf que ça rime à rien du tout. Comment ils comptent s'y prendre pour faire sortir l'eau? Non, ça vient pas de l'eau. C'est ce qu'il y a dans l'eau. Comment ça? Bah, c'est simple. Écoute-moi une seconde. Salim m'a dit qu'Iram a été maudite quand Salomon a enfermé les mauvais esprits du djinn à l'intérieur d'une urne en cuivre et l'a jetée au plus profond de la ville. Un génie dans sa lampe. Je sais. Ça semble complètement dingue. Donc, tu penses que ce serait pour ça qu'Elisabeth et Dee auraient envoyé Francis Drake ici? Oui. Il voulait pas de trésor. Mais le pouvoir. C'est seulement quand Drake a compris son objectif qu'il a abandonné. Il a menti à la reine, en disant qu'il avait rien trouvé, masqué toute trace de son voyage. Et réécrit l'histoire.
On est qui pour juger Sir Francis? On descend dans ce trou pour mettre un terme à tout ça. Une fois pour toutes. Bon, ben c'est ici qu'on va se laisser, hein, parce que j'ai envie de faire la fin demain. Donc vous devrez attendre jusqu'à demain pour pouvoir voir la fin d'Uncharted. Je pensais que ça allait être plus long, mais finalement j'ai mieux géré que je ne le pensais, donc je suis pas trop mort comparé en streaming live où je suis mort au moins une dizaine de fois à ce passage. Et là, une petite fois, bah ça va, c'est bien. Franchement, je m'attendais à pire. Donc on se retrouve demain pour la fin de Uncharted 3. N'oubliez pas d'avoir la attitude. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de poutou poutou partout parce que je vous adore. Allez, ciao, bye, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll. Dixie, Franck. Allez, ciao, peace. On ferait mieux d'aller en bas.